J'espère que vous allez bien. Ça faisait un petit moment que je n'étais pas venue faire une lecture intuitive. Alors, comme vous avez pu le constater sur les précédentes, je fais des tirages plutôt courts. Je vais à l'essentiel, je vais sur l'énergie du moment. Pour ce mois d'avril, ce milieu de mois d'avril déjà, eh bien, ce tirage a pour but de vous mettre le focus sur ce qui est le plus présent dans votre situation actuelle. Je vous invite à bien sûr, hein. Écoutez votre ressenti, si ça résonne pour vous, eh bien c'est parfait, ça vient vous confirmer, hein, vous donner un éclairage qui était attendu pour vous. Si ça ne résonne pas du tout, c'est que ça ne s'adresse pas à vous et je vous invite à aller regarder plutôt les autres signes ascendants, par exemple, les signes lunaires. Alors, 6 de Pentacle, on est dans l'équilibre, hein, l'équilibre des forces, les échanges. Avec réciprocité, avec justesse. Et je souris parce que c'est un sujet d'actualité avec ce bélier en balance pour la pleine lune qui s'amorce samedi. Donc c'est vraiment, c'est vraiment au cœur de ça en fait. Donc ça me fait sourire. Je pense que c'est ce qui s'invite à vous. C'est-à-dire que le thème, ces cartes, le hasard des choses du tirage ici vient vous dire ce qui est présent dans ta vie en ce moment, c'est d'être dans cet équilibre pour toi. Équilibre des relations que j'établis et équilibre de ce que je trouve juste de voir aussi, hein, autour de moi, puisque elle vient offrir autant à l'un qu'à l'autre, elle vient donner déjà et elle a pour. Je dirais préoccupation qu'il y ait de l'équité. Hein. C'est pas juste de la justice, mais de l'équité. Donc c'est une carte importante. Oh là là, l'as de Pentacle. Donc c'est un renouveau dans un principe d'action et de gestion de ma manière d'œuvrer dans la vie. Il y a un renouveau qui se fait appuyé sur cette dynamique d'équilibre et de justice. Et donc, ça veut dire qu'il y a une réelle transformation pour vous en ce moment, comme une grande prise de conscience qui vous fait incarner cette valeur. Hein? Et regardez, oh, la reine de Pentacle, je suis assise, hein, dans ma maîtrise de ce que je représente. La reine de Pentacle, elle est, je dirais, je cherche le terme, elle est garante de la prospérité. Hein. Elle maîtrise eh bien, la richesse, le fonctionnement. Elle est généreuse, elle est protectrice. Elle veille à que la répartition des biens se fasse convenablement, la mise en place des choses se fasse convenablement. Hein. C'est quelqu'un qui, par exemple, dans un projet, va veiller à ce que tout le monde trouve sa place, à ce qu'il y ait les moyens pour réaliser le projet, à ce que ce projet soit bénéfique pour tous, hein, que chacun y trouve son compte. Elle est dans cette représentation de l'abondance, de la générosité et de la protection, hein, garante des biens en fait. Donc, je pense que ça peut indiquer ici que vous êtes en pleine énergie de manifestation d'une valeur forte pour vous et que vous parvenez à l'incarner comme il se doit. Carte conseil pour l'âme, pour l'inconscient. Respiration. C'est très joli. Je sens ce flux d'énergie me parcourir. C'est une respiration. Je savoure ce temps présent, ce temps suspendu, hein, d'inspiration. Je reçois à l'intérieur de moi et j'exprime dans le monde, hein, ce que je vis. Hein, je vis ce que je suis. Je vis ce que je suis. Et plus j'incarne ma valeur et je la manifeste, plus je vis ce que je suis par rapport à mes valeurs et mes croyances. Nous sommes la somme de nos croyances. Donc veillons à bien identifier ces valeurs qui sont profondes et essentielles dans l'instant, hein, de vie où ça se présente, bien entendu. Voilà, je trouve que bien cette lecture intuitive est très très cohérente, voilà, très lisse, très très évidente. Donc il y a pour moi un message fort qui s'invite à vous, mes amis vierges.
Je vous souhaite une belle fin de journée. À très bientôt. Bye bye.